Salut à tous, c'est C27Kabal et on se retrouve pour l'épisode 7 de Watch Dogs. Et donc on s'en est arrêté, il fallait aller trouver madame, enfin monsieur, bad boy, bad boy, qui est en fait une dame, on le sait parce que ceux qui ont regardé avant, ben, ils verront. Enfin bref, donc la mission s'appelle changer ta vie, et du coup, bah, let's go. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Bad Boy ? Hein ? Bad Boy, 17. Putain, c'est quoi ton problème? Bad Boy, 17. Clara. Clara. Tu fais plus que 17 ans. Je fais Bad Boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment? Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille. Et au même moment, ce mystérieux Bad Boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute. J'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me fais pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé. Je sais où retrouver ce type. Ok, mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DedSec? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Pas la première à me faire ce genre de promesse. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le con, des gens peuvent être blessés. Au pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment on le retrouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise. Aiden. Point de compétences obtenus. Je vais aller voir vu que. Donc j'ai 10 points de compétences avec les 10 je réglerai ça plus tard. Salut. Je parle à Bad Boy là ou à Clara? Ouais, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son adresse via une tour de bureau du CTOS. Service client, employé, cadre. Ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer, et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique... T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. Il drague, le petit Aiden. Bon. D'abord, on a une caméra. Je vais regarder un peu vite fait dans le retour. On a...
pas exploser. Non. Leur animation. Je vais visiter encore. Là, on a les fenêtres. Une caméra là-bas et une caméra là-bas. J'allume la radio. Si je peux faire une caméra. On a un autre train. Il y a toujours une phase d'observation, comme dirait Sherlock Holmes. Hop. Bon. Qu'est-ce que... Et là, là, on va... C'est un... Hein? J'ai pas ça. Et voilà. Ça, ça me semble être une bonne technique. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu? Ouais. Donc il m'en reste 3. Lui normalement il va passer pas loin de moi. Non, là-dessus. Ok, je pensais qu'il allait passer plus proche que lui. Mais non. I don't wanna leave this planet. Ouais, c'est parce que je pensais que c'était un problème comme là. Comment je peux faire? Voilà. Hop là. Je suis à l'intérieur. Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Il n'y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok, j'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh. Oh non. C'est le directeur de la sécurité. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Ok, les amis. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vu que là, je suis en pleine mission, que je peux pas m'arrêter là, je vais continuer la mission. Cependant, la mission sera en deux parties. Donc, vous risquez d'avoir épisode 7.1 et épisode 7.2, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà quoi. On va continuer. Je sais qu'ici c'est super difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Parce qu'en fait ici ce qui va être super compliqué c'est qu'il y en a en haut, là-haut et en bas. Ça veut dire que j'ai une place de parking juste devant les labos X de Bloom. À moi. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir moi aussi. T'es pas vraiment comme j'imaginais.